Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de joueur de la N3 à la Ligue des Champions avec Valéric Junior qui est toujours du côté de Jura Sud. On va simuler ce match vu qu'on n'est pas présent. Et ça fait match nul de 2. Bon, après ce match nul, on est parti pour ce match face à Boulogne. Et là, on est en remplaçant. Allez, on va faire notre entrée. Valéric Junior qui rentre à la place de Sacha Bogovic. C'est parti et pour l'instant il y a 0-0. À Sud, ça a failli passer. Wab. Il sait pas quoi faire du ballon. Wab. Nikota. Nikota. Sukelwed. La petite remise de Guyot pour Valéric. Valéric qui passe et qui vient mettre ce ballon à ras du poteau. Valéric Junior, bien sûr, le numéro 7 de Jura Sud qui ouvre le score. Il est sorti du banc et il marque. Il est frais. On ne sait pas pourquoi on est sur le banc. Le coach est un petit peu dans le pif en ce moment. Mais voilà, on prouve qu'on est présent même sur le banc. On apporte quelque chose à Jura Sud. 1-0. Adou. Ouais, la petite passe, il y a Valéric hein, qui décide de prendre l'intérieur avec Guyot. Oh, Guyot qui lance. Wab. Maintenant Dikota. Wab qui retrouve Valéric Junior. Et Junior qui ne passera pas hein, face à cette bonne défense de Boulogne. Contre-attaque de Boulogne, le petit centre de Boulogne. La Boulogne sur mer qui essaye d'attaquer. Mais attention, ça part dans l'endo avec Valéric Junior qui arrive à prendre de vitesse la défense de Boulogne. Il arrive à crocheter le premier vis-à-vis. Il crochette encore. La frappe derrière, le deuxième but. 2-0. Une action suffit pour Jura Sud. De breaker, Valéric Junior vient alourdir le score. Allez, Eno. Le long ballon de Eno. Pour Sinayoko. Attention, Georges. Le retour du latéral droit recruté, on le rappelle, cet hiver hein, par Jura Sud, Georges. Allez, Metzel avec Valéric Junior. Valéric Junior qui attend le départ de son coéquipier. C'est bien fait avec le numéro 18. Bakayoko. Bakayoko, les doubles grands ponts de Bakayoko. Il tentait le centre en retrait pour Junior. Ça ne passera pas. Allez, on s'impose 2-0 grâce à un doublé de Junior. 66e et 88e. Alors, grosse information, depuis notre retour en tant que titulaire, nous ne sommes plus côté gauche. Nous jouons en soutien de l'attaquant. On est milieu offensif, meneur de jeu de cette équipe de Jura Sud. Le coach doit penser qu'on peut apporter un peu plus au milieu de terrain. Donc, c'est un drôle de choix, mais on a été plutôt bon lors du match précédent. Voilà, prise de profondeur de Bogovic avec Valéric Junior qui ne passera pas. Bogovic avec Junior, ah, c'est dans le dos de Junior ça, ce ballon. J'ai fait faute, je vais avoir un petit jaune. Hernandez avec Arias. Hugo Bonnet. Arias, allez, la petite récupération de Saïd. Saïd Wab. Abdou. Ouais, le bon ballon, il est dans le dos de la défense encore peut-être de Rodez. Ça passe cette fois-ci. Allez, Rodez. Rodez qui est en difficulté parce qu'il y a Valéric Junior qui rentre dans leur surface. Et il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Fais attention. Ok, bah c'était une belle incursion, mais je sais pas ce qui s'est gêné un petit peu l'attaque de Rodez. Avec cette frappe directe. Et voilà, on a réussi à frapper cette fois-ci. On essaie d'apporter un peu plus offensivement. Hein. Pour cette seconde mi-temps, dégagement d'Obiang, ça revient sur Schenker World. Avec cette petite remise du coéquipier, la frappe directe et le but. Le but, le gardien était dessus. Mais là, pas réussi à arrêter cette frappe très bien placée de Valéric Junior. Ah, on se bat parce qu'on est à un poste où on n'a pas l'habitude de jouer. On est ailier de formation.
On a des joueurs buteurs, mais jeu milieu offensif, c'est une première sur cette carrière. Mais on vient apporter notre qualité d'ailier au poste de milieu de terrain. Une très grande qualité de finition, une qualité de vitesse aussi sur les contre-attaques. 51 buts en 24 matchs. On est en train d'exploser le record. La passe pour Bogovic. Bogovic, Mitzel. Il y a le départ, il y a le départ de Kasung. Kasung, Georges. Et Georges, il n'arrive pas à passer. Il donne à Valéry. Valéry qui donne à Kasung. Kasung qui donne à Wab. Et attention, le centre derrière. Que c'était bien joué encore de la part de Jura Sud. Ça joue très bien dans cette seconde mi-temps avec Dinkota. Bogovic. La passe pour Katsung. Katsung avec Bogovic qui nous la remet. Oh, le pénalty. Pénalty. Jura Sud va bien mieux dans cette seconde période. La première mi-temps a été compliquée. Et à Valéry Junior de transformer ce péno. Allez, Valéry Junior, s'est transformé, c'est tiré en force. Valéry Junior, 2-0, le doublé face à Rodez sur penalty. Ouais, Valéry Junior qui a récupéré cette occasion qui était pour Rodez. Allez, avec Rodez qui se fait dépasser par l'ailier de formation qui joue meneur de jeu, on le rappelle, dans cette équipe. Allez, il n'est pas gêné par Rodez, il centre en retrait, le centre est fort, et finalement ça fait 3-0 pour Jura Sud. Le centre en retrait était parfait, il centre ensuite pour, je crois que c'est Bogovic. Ça fait 3-0. Ça va être arrêté par le gardien. Attention, le pressing de Jura Sud qui pourrait payer. Oh, cette erreur qui profite à Guyot. Oh, Guyot qui frappe sur le poteau. La première mi-temps a été très compliquée, je trouve, pour Jura Sud. Ensuite, on a trouvé la faille. Et ça a été un match un peu plus simple pour Jura Sud. Première mi-temps vraiment compliquée. Dinkota, Saïd et encore Valéry qui décide de faire un appel dans la profondeur. C'est bien joué. C'est sur le passeur. Et il passera pas vers Nick. Ah ouais, mais niveau jeu, on commence à être fatigué. Mais attention, il récupère le ballon. Il parvient à donner à son coéquipier. Ah, Benkaïd. Il n'a pas réussi à transformer cette action. En but pour Guyot. Et on s'impose 3-0 et encore un doublé, mine de rien. Allez, les matchs s'enchaînent en Ligue 1. Et Valéry Junior enchaîne les performances, ses grosses performances. Il mériterait l'année prochaine de jouer en Ligue des Champions, ça c'est très clair. A savoir quel club de Ligue 1 est capable de l'accueillir. Aïe. Dinkota. La BO. Saïd. Kasung. Avec Bogovic. Ah, Bogovic. Il va mieux jouer le coup là. Il doit conserver le ballon. Hein. C'est un avant-centre. Faut qu'il sache, je vais faire le ballon là. Un petit peu cool. Ah, je veux me battre pour récupérer le ballon et je prends un carton rouge direct. Ah là 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 là. Quelle erreur, on va être mis sur le banc. Ah, et on s'incline en plus. À 10 contre 11, Jura Sud s'incline 2 buts à 1 face à Saumur. Allez, c'est un match face à Leicester. Match de Coupe d'Europe, de Ligue Europa pour cette équipe de Jura Sud. Ah là là, ce carton rouge tout à l'heure pose quand même pas mal de problèmes pour les prochains matchs en championnat de Jura Sud. Mais bon, on va essayer d'être bon en Ligue Europa. NDD. La lumière ne viendra que d'un seul jour, je pense, aujourd'hui. Si lumière il peut y avoir, ça viendra de Valéry Junior. On en est sûr. Allez. Et c'est là, c'est peut-être la seule occasion du match. Il va falloir la mettre. Valéry Junior, il plante le but. 1-0 pour Jura Sud. Face à Leicester.
Voilà, c'était peut-être la seule action du match. Il fallait la mettre. Et Leicester se retrouve mené 1-0 sur cette contre-attaque. Il attend que le gardien sorte. Il ajuste parfaitement. Jura Sud peut croire et peut rêver vers l'exploit grâce à son atout offensif. Enfin, 7 buts en 7 matchs de Ligue Europa, c'est quand même énorme. C'est avant que je récupère le ballon. Ah ouais, mais derrière les coéquipiers qui le repèrent ce ballon. Et récupération est sur Alberto avec Saïd. Je vais chercher Guyot. Peut-être la dernière action du match avec Witzel. Bakayoko. La petite passe. Ah là 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 là, c'est compliqué. Revenez de loin. Ouais, d'accord, les coéquipiers qui décident de redonner le ballon avec Ben Yedder. Nachi. Israel Puerto avec Valéric Junior. Junior qui tente de lancer dans le dos Guyot. Allez, mon petit Guyot. Guyot qui nous fait la remise. Attention, grosse occasion de 2-0. Et il est mis. Incroyable, Jura Sud va s'imposer dans les dernières secondes en breakant. Ah, ça sent très bon pour le match retour, ce 2-0. 2-0 face à Leicester, l'équipe a été solide et on a marqué les deux buts qui permettent pour l'instant à Jura Sud de peut-être rêver un quart de finale de Ligue Europa. Bon, pour info, je rappelle, j'étais suspendu, hein. On avait pris un rouge face à Saumur. J'étais suspendu face au Sporting Club Toulouse-Var, mais l'équipe s'est imposée 1-0. On va jouer du coup le match retour directement dans cet épisode face à Leicester. Message personnel pour Denis. Allez, Claudie, Mitzel envisage de raccrocher les crampons au tir du côté de Jura Sud. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon cette saison. Il est titulaire, mais c'est pas le meilleur dernier de terrain. Et on est parti pour le match retour de Ligue Europa face à Leicester. On va essayer de gratter ce ballon. Et on pousse l'adversaire à faire faute. Ouais, c'est ça que l'on veut côté Jura Sud. Hein. Un Valéric qui propose, un Valéric Junior qui tente peut-être de rentrer dans cette surface. Oh, attention, Leicester qui peut être mené 3-0 sur la santé de match et ça va être fait. Ah là là, il avait deux aînés de son poste de MOC. Il était revenu sur son côté préférentiel, le côté gauche, pour rentrer ensuite intérieur. Ça a déstabilisé la défense. Ouais, je résiste au retour du défenseur hein, quand même, faut le faire. Avec ce tirage de maillot. Et ensuite la finition. Parfaite comme toujours avec ce joueur. Et là 3-0, ça sent quand même très bon hein, pour jouer à la suite pour aller en quart de finale de Ligue Europa. 9 buts en 8 matchs. D'accord. Frappe pour le but. Ah, le but. On s'y attend pas du tout côté Leicester. Ils sont en train de revenir. 3-1. Ah là 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 là, la mauvaise nouvelle côté Jura Sud. Leicester qui se réveille sur ce match retour. Ils sont bien mieux depuis qu'on mène 1-0. Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir des occasions. On n'arrive pas à aller au bout. Ils sont plus costauds derrière là et puis devant, bah ils ont été efficaces. Attention, deux buts. Et c'est les prolongations pour Jura Sud. Attention qui perd le ballon, qui redonne à Valéric Junior. Valéric Junior qui est peut-être la seule éclaircie dans ce match. Il peut peut-être apporter quelque chose. Ah, tout de suite, la technique est au-dessus. Hein. C'est pas passé, mais on voit dans sa gestuelle. Il est largement au-dessus de toute l'équipe de Jura Sud. Allez, 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 il faut monter sur le porteur. Yamashi. Et Sal Puerto. Mensa, George. Mitzel. Saïd. La passe pour Bogovic de la part de Valéric Junior. Ah là là, Bogovic. Ah là 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 là, Bogovic. Pourquoi l'entraîneur le met titulaire? Ah, et voilà le but. Le but. Ouais, je ne comprends pas pourquoi l'entraîneur considère le... devait être Bogovic titulaire, il a encore perdu un ballon, ça fait 2-1. Benton. Israel Puerto, Mizale avec Junior. Et Junior
Junior. Ah, Junior, il passera pas. Il essaye de passer en éliminant. Valérie Junior, il frappe. Ah, il avait le but de la qualif. Il avait le but de la qualif. L'arrêt du gardien en face. Au moins, on amène le danger dans les dernières secondes dans le camp adverse. Vuillot, le retourné de Valéric. Junior. Et il y aura un nouveau corner. Ah, ça pousse, ça coule, ça pousse côté Jura Sud. Pour ne pas perdre toute l'avance que l'on avait. Ce serait bête de se faire remonter. Bakayoko. Et on l'a fait. Ça a été très compliqué en 5 minutes sur ce match retour. Mais Jura Sud passe un tour supplémentaire et ira en quart de finale. Mais on a failli se faire remonter. Hein. Allez, on va se laisser là pour cette carrière de la N3, la Ligue des Champions. On rappelle qu'on a passé un tour supplémentaire en Ligue Europa, ça fait plaisir, mais ça a été très compliqué sur ce match retour. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. On rappelle qu'on est leader de Ligue 1 avec cette équipe de Jura Sud. Allez, à plus !